Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en région Rhône-Alpes-Auvergne et plus particulièrement dans la Loire où nous avons créé en début d'année, en février, l'association Burnout France qui a pour ambition d'apporter une aide concrète à toutes les personnes touchées par un syndrome d'épuisement. Moi, j'ai vécu un burn-out qui a duré 3 ans et pendant ces 3 ans, j'ai fait plein de constats. Je me suis rendu compte que n'importe qui pouvait être touché, qu'il y avait finalement très peu de structures pour aider les gens à sortir de leur syndrome d'épuisement. Et puis en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était un phénomène qui était d'ampleur juste énorme et mondiale et que bien souvent, on ne prenait en compte que les données économiques liées à ces syndromes et pas du tout les coûts humains que ça engendre. Alors c'est justement pour éviter ce parcours du combattant à d'autres que j'ai décidé de monter Burnout France pour qu'elle devienne la plateforme d'aide concrète à toutes les personnes qui sont touchées par un syndrome d'épuisement. Alors depuis février de cette année, l'association a déjà été reconnue d'intérêt général. C'est pour nous permettre de lever des fonds auprès d'entreprises mécènes. Nous avons commencé à créer la page d'accueil de notre site internet. Nous sommes en train de développer un outil scientifique de dépistage qui sera diffusé via ce site internet. Et puis nous avons commencé à lever des fonds auprès d'entreprises mécènes pour créer le fonds social pour permettre la prise en charge des parcours de sortie d'épuisement pour les personnes démunies. Avec le Grand Prix des adhérents, nous allons pouvoir financer un test de dépistage qui sera développé par une communauté scientifique et publié dans des revues médicales. Et grâce à vous et grâce à votre soutien, ce test sera diffusé gratuitement depuis le site internet de l'association burnout-france.org. Et c'est cet outil-là, ce test-là, qui permettra à toutes les personnes touchées par un syndrome d'épuisement de se dépister gratuitement. Et ça, grâce à vous.